Abidjan, 2 novembre 2022. Madame Dominique Ouattara apporte soutien et compassion à Madame Henriette Konan-Bédié. Absente du pays depuis quelques moments, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est de retour à Abidjan et est allée saluer, présenter ses condoléances à Madame Henriette Konan-Bédié suite au décès de sa sœur cadette, Kwazan Elizabeth. La délégation de la première dame était composée des épouses du vice-président, du premier ministre, la ministre Raymond Goudou, le ministre Alain Donvahy, porte-parole de la délégation et des membres du cabinet de la première dame. Madame Henriette Konan-Bédié a été sensible et touchée par cette marque d'attention de Madame Dominique Ouattara. Selon Madame Bédié, la première dame de Côte d'Ivoire a toujours été à ses côtés pendant les périodes de tristesse comme des périodes de joie. Pour la circonstance, Madame Bédié avait à ses côtés les enfants de feu Kwazan Elizabeth et c'est un membre de sa famille. En avance. La santé, ça va? Oui, ça va. Vous avez l'air bien. Vous aussi, ça va. Trop de travail, comme d'habitude. Ouais. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.